je suis à 6 kilos. Ah, j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 15 ans, donc ça a été dur de reprendre après la maladie, mais bon, ça y est, on y est. Ça fait 6 ans maintenant que je suis un greffé de moelle osseuse. Et c'est un sport, le vélo quand même est un sport dur. Et donc pour se battre contre la maladie, le vélo m'a vraiment bien servi. Le sport, ça représente tout ce que j'ai jamais pu faire avant d'être greffée, faire comme les autres et sentir à chaque performance que je fais, je suis toujours ébahie par mes compétences physiques. Quoi. Vraiment, c'est une découverte à chaque fois. Pourtant, ça fait 4 ans, mais vraiment, je suis toujours épatée par ce que j'arrive à faire. Parce que jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça, pédaler dans une côte, quoi, mais c'était inimaginable. C'est une merveille hein, d'être greffé, hein. ça change la vie. Hein. Faut être d'honneur. Il serait à 3,75. Oui. Et une petite dernière. Non. On y va. Quelques petits remerciements pour la famille qui a pris cette gentille décision pour me donner ce don d'organe. Et ainsi que sans ma mère, je ne serais peut-être pas arrivé aujourd'hui au point où j'en suis en ce moment. Merci maman, je t'aime. C'est une façon de revivre aussi comme tout le monde. Mais j'aime bien aussi la compétition et j'ai besoin du groupe aussi, j'aime bien l'esprit qui règne dans ce groupe. Et voilà, du coup c'est une occasion de faire un peu comme les champions que j'aime bien regarder à la télé, mais à mon échelle. Et puis la campagne pour le don d'organe, moi je sais pas trop quoi faire moi-même. Ce que je peux faire c'est juste vivre à fond et montrer qu'on m'a pas donné le cœur et le foie qu'on m'a donné pour rien. Cette marche en hommage aux donneurs et aux familles des donneurs. Ma maman est décédée il y a peu et elle a fait un AVC massif. Et elle était pour le don d'organes, donc elle a donné ses deux reins et son foie. J'ai perdu un être cher qui m'était très très cher, mais ça a permis de sauver 3 personnes. Donc une perte pour retrouver peut-être, ces personnes-là ont peut-être retrouvé leur famille, ont peut-être arrêté les dialyses, ont peut-être, enfin je veux dire voilà, c'est une perte pour sauver 3 personnes, c'est extraordinaire. C'est une marche en l'honneur de ma maman, en l'honneur de son don. C'est très émouvant pour moi. Moi, je suis greffé du cœur depuis 6 ans là, et puis je commence à me dire que les 25 mètres papillons, j'aurais du mal de les faire. Mais c'est pas grave, je vais essayer. Oui, bah c'est bon, encore en forme quoi. Oui, ça m'a fait plaisir d'y arriver. Bon. Le dernier, mais quand même, j'ai participé.
merci à mon donneur, et puis il faut faire parler du don d'organes. Hein, c'est pour sensibiliser vraiment tous nos compatriotes qui fassent le pas de dire si oui ou non, ils sont d'accord pour qu'on prélève leurs organes si malheureusement il leur arrivait quelque chose. Des jeux de partage, donc de se faire rencontrer des gens qui ont finalement connu la même souffrance, les mêmes histoires de d'insuffisance cardiaque, rénale, hépatique, et le même désir de reconquête d'une qualité de vie. Donc finalement, il y a déjà, dès le départ, un socle d'histoire commune et un socle de désir commun de retrouver une vie normale. Pratiquer une activité physique, épinale, c'est une façon d'être ambassadeur du don d'organes, d'être debout, de dire voilà, ça marche, ça vaut le coup de réfléchir au don d'organes avant la fatalité qu'on ne souhaite à personne, mais de réfléchir, de prendre position, de faire connaître sa position aux proches. Donc, voilà, c'est l'ambition de ces jeux.